Donc petite pub pour mon Discord au début de cette vidéo, tout simplement voilà, j'ai un Discord communautaire qui est en description, vous avez une notif à chaque vidéo qui sort, en plus vous avez le spoil de la miniature de ma prochaine vidéo quelques heures avant que la vidéo sorte, et quand on va atteindre les 500 membres, il reste plus que 100 membres, tout simplement un gift de Palladium pour plusieurs personnes qui sont présentes sur le Discord, donc surtout n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Et bien salut tout le monde, ce serait comment allez-vous, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium, et aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière car je vais me faire TP kill. Oui, vous ne rêvez pas, je vais me faire TP kill. Bon, ça m'arrive pas souvent de me faire TP kill parce qu'en fait, les gens, la plupart savent que je suis youtubeur, du coup, je rec tout le temps. Mais cette personne, en fait, elle était au courant que j'étais youtubeur parce qu'elle m'avait fait entre guillemets un don. Donc, vous allez voir, bien sûr, la suite de l'histoire juste après. Et toi, avec ton vieux skin rouge, tu me dis rouge. Au début, je crois qu'il y avait marqué URSS. Ah oui, mais c'est vraiment l'URSS, il y a le logo soviétique devant. Bon, bien sûr, juste avant de commencer la vidéo, on va tout simplement faire la question du jour. Donc, je vais rappeler le concept. Donc, je vais répondre à une question qui était dans les commentaires de ma dernière vidéo. Donc la plupart du temps je prends celle qui a plus de likes, mais cette fois-ci celle qui a plus de likes revient un peu à celle de ma dernière vidéo. Du coup c'est moi qui vais choisir la question. Donc la question c'est une question de Salin Merguez. J'ai les pseudos au passage même si j'aime pas la merguez. Donc sa question c'est: tu comptes faire une vidéo avec Grayskill ou Darking? Donc en fait le problème sur Palladium c'est que les youtubeurs sont très perso. En fait pour tourner des vidéos avec d'autres youtubeurs il faut les connaître depuis assez longtemps ou être dans leur faction. Mais le problème avec les youtubeurs Palladium c'est que on reste beaucoup de notre côté et on ne va pas vers les autres youtubeurs. Bon, après je dis ça mais je suis un peu pareil, j'aime bien être dans mon coin quoi. Mais voilà, en fait on reste beaucoup de notre côté, on fait très peu de vidéos avec d'autres youtubeurs. Donc si un jour ces youtubeurs me contactent pour faire une vidéo, pourquoi pas, ça dépend du concept. Du coup si vous voulez participer dans ma prochaine vidéo, c'est hyper simple, postez un commentaire dans ma vidéo et tout simplement essayez d'avoir le plus de likes. Et cependant si vous avez pas d'idée de commentaire, regardez dans les commentaires tout simplement, ici y a un commentaire qui vous semble bien et que vous avez envie que j'y réponde dans ma prochaine vidéo. Il vous suffit tout simplement de liker le commentaire de la personne. Donc maintenant on va passer tout simplement à l'objectif de like, car tout simplement tous les 200 likes je farm pendant 15 minutes mon métier de farmer. Puis j'ai un peu avancé tout seul. Donc voilà, je suis arrivé niveau 19 avec 365 525 XP. Donc sur les 600 000 du coup j'atteins plus de la moitié du level 19 pour atteindre le niveau 20. Et ma dernière vidéo vous m'avez assez impressionné car j'ai atteint actuellement, quand je regarde le nombre de likes sur la vidéo, j'ai atteint 688 likes. Pas 800, j'aurais atteint les 800 likes, j'aurais dû farmer pendant une heure mon métier de farmer. Mais vu qu'elle a pas atteint les 800, elle a quasi atteint les 700, je vais farmer pendant 45 minutes mon métier de farmer. Quand même beaucoup, ça faisait très longtemps que j'avais pas farmé autant. La plupart du temps, je farme 30 minutes. La plupart du temps, on fait 400, 500 likes. Mais là, on a quasi atteint les 700 likes, du coup, je vous en remercie. Et j'espère qu'on va continuer comme ça sur mes autres vidéos, ça serait assez cool. Du coup, avec 3 quarts d'heure de farm, je pense arriver à peu près là et... Très sérieusement, là on est samedi quand je tourne cette vidéo. Très sérieusement, je pense que je vais farm un peu tout seul et je vais arriver ici et je pense prochaine vidéo, j'atteins mon level 20. Ça fait beaucoup là, non? Du coup, sans plus tarder, je vais farm pendant 45 minutes mon métier de farmer et on se retrouve une fois que j'ai terminé. J'espère tout simplement pas passer level 20, mais normalement en 45 minutes, j'aurai jamais le temps de passer niveau 20. Et bien voilà, j'ai terminé de farm pendant 45 minutes mon métier de farmer. Et du coup, je suis arrivé à 472 895 XP. Du coup, il me manque un petit peu plus de 100 000 XP pour passer niveau 20. Donc là, en vrai, il est samedi, il est midi. Donc là, bon, je dois aller manger. Mais plus sérieusement, je pense que ce soir, je vais continuer à farm de mon côté tout seul. Et très sérieusement, prochaine vidéo, je serai à peu près ici. Et on passera le level 20 ensemble. Bon, sinon, l'oxyde de like est toujours là, hein. Tous les 200 likes, je farme pendant 15 minutes mon métier de farmer. Et si je suis déjà level 20, je farmerai un autre métier. Et je penserai sérieusement que ça sera le hunter. Donc voilà, juste avant de passer à la partie TP kill, on va tout simplement faire cuire notre stuff. Vous savez, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Non, plus sérieusement, on va tout simplement faire fondre notre stuff. Parce que dans ma dernière vidéo, quelqu'un dans les commentaires qui a dit pourquoi tu fais pas fondre ton stuff et tout ça pour récupérer des lingots de palladium. Ah, tiens, quelqu'un qui me dit coucou. Mais sinon, voilà, on va tout simplement faire fondre le stuff que j'ai eu dans le don de ma dernière vidéo où ils m'ont donné carrément beaucoup de stuff. Et du coup, si on fait tout fondre dans le grinder, je pense arriver à pas mal de lingots en palladium. Ok, bien tout le monde, donc là on se retrouve dans un endroit où tout simplement quelqu'un m'avait fait un don. Donc je vais m'en servir pour tout simplement insérer mon grinder. Par contre, j'espère juste que les épées et tout ça marche. Pardon, pourquoi j'ai pris un hammer, d'accord. J'espère juste que les épées et tout ça marche à l'intérieur. Parce qu'en fait, je n'ai jamais fait fondre un seul équipement en palladium de toutes les saisons. Ils jouent en V4, V5 et là en V6. C'est la toute première fois que je vais fondre du stuff. Donc déjà, faut que je me rappelle comment on fait un grinder. Ok, voilà, c'est comme ça. Et donc
là faut poser le sol lave et on pose le grinder et normalement il marche. Donc là si je comprends bien on va mettre ça comme ça. Ah d'accord ça marche comme ça, ok en fait il faut placer les équipements à l'intérieur comme ça, d'accord. On peut mettre un hammer? Non on peut pas. Moi j'ai remarqué qu'on peut pas mettre de pelle à l'intérieur, ça c'est dommage. Donc, franchement ce stuff là il va vraiment pas me servir, j'ai la flemme de l'enchant. Et vu qu'il n'y a pas de PVP sur Payum ça sert à rien d'en avoir autant. Ok c'est bon du coup je suis revenu avec du stuff, donc bien sûr c'est du stuff qui est vraiment pourri, comme vous pouvez voir c'est du P2. Là, je pourrais jamais le repasser P4, ça me prend un temps fou. Projectile 4, après là, les pioches sont pas forcément très bien enchant ou alors ils sont vraiment assez cassés. Par exemple la hache là je peux pas, d'accord. Par exemple là les haches je peux pas, je sais pas pourquoi je peux pas les haches. Pourtant même si j'en tire un Payum ça serait cool. Il y en a ça va leur faire mal au cœur que je boule tout ce stuff. Il y en a qui rêveraient d'avoir ce stuff même mal enchant, mais désolé moi il me sert à rien donc Ok du coup là j'ai vraiment tout le stuff qui n'est pas enchant ou qui est très mal enchant. Du coup on se retrouve une fois que j'ai tout fait fondre. Bah du coup à tout de suite. Ok du coup j'ai tout fait fondre, donc je suis arrivé à un total de 2 stacks et 43 de palladium. Par contre je sais pas du tout pourquoi les haches on ne peut pas les fondre. Pourtant par exemple cette hache là est totalement neuve et je ne peux pas la faire fondre. Alors normalement tu vois ça devrait me donner 3 palladium mais je ne peux pas, je peux pas la mettre à l'intérieur. Donc si vous avez une explication n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais maintenant on va tout simplement tout transformer en blocs pour savoir combien on a de blocs en tout avec tout le stuff que j'ai fait fondre. Et on arrive à un total de 19 blocs de palladium, c'est vraiment pas mal. Bon attends go démonter ce grinder parce que tout simplement bah quelqu'un a un home ici. Bon je pense que ça va être la personne qui m'a fait le don mais j'ai quand même envie de garder ce grinder là parce qu'en vrai j'en ai pas beaucoup de grinder. Bon on va aussi vite fait faire la quête du jour parce qu'elle est pas si rentable que ça mais bon c'est pas très grave. Alors il commence à faire froid et mes petites chaussures ne tiendront pas l'hiver. Aurais-tu de belles bottines en améthyste pour moi s'il te plaît? Oui on va faire des bottes en améthyste donc ça nous coûte 4 améthystes pour 500$. On a déjà eu pire comme quête donc hop faire la quête et comme ça on a 500$. Maintenant je pense que là c'est le moment que tout le monde attend depuis le début de la vidéo, c'est le moment où je me fais TP kill. Donc là en fait c'était pendant que j'étais en train de farm mon métier de farmer, voilà comme je l'avais dit j'avais farm un peu tout seul dans mon coin. Et pendant que j'étais en train de farm, un mec m'a tout simplement MP pour m'envoyer j'ai un don. Du coup j'ai dit bah attends mec je vais farmer tout ça et j'arrive une fois que j'ai terminé. Mais il était assez pressé on dirait, en plus il m'a fait t'inquiète je prépare le don et il l'a préparé en 5 minutes. Du coup ça posait déjà des petites questions. Et ensuite il avait l'air d'être assez pressé et du coup j'ai fini de farm et j'ai décidé de me TP à lui. Et donc je vais tout simplement vous laisser l'extrait de vidéo, bien sûr ma réaction est totalement naturelle parce que pour moi c'était un don d'un vrai abonné et tout ça, je n'étais pas préparé au TP kill, du coup je vous laisse avec l'extrait, bonne vidéo. Du coup là on a tout simplement Nazer qui va tout simplement nous faire un petit don, enfin je sais pas du tout s'il est petit, mais bon on verra bien. Du coup il nous a donné rendez-vous sur Minaria. Ok c'est bon on arrive sur Minaria, donc PS Matex c'est un pote le type, d'accord. Alors donc ça je TP à Nazer, c'est parti. Ok c'est bon, attends je m'éloigne un peu d'eux pour qu'ils puissent me voir, c'est bon ok il me voit. Je sais pas du tout s'ils ont fait le don à deux ou s'il a été tout seul à le faire. Ok, oula, il y a pas mal de panneaux. Hein. Alors, j'ai pas eu le temps de décorer. Avant d'avancer, abonnez-vous à Sangré et likez la vidéo. Ça, c'est vrai. Faites-le. Alors, dédié à Matek317, donc dédié à toi. Je sais pas du tout si t'as participé au don, mais si t'as participé, bah merci à toi. Même si t'as pas participé, merci d'être venu. Bon, bah t'as plus qu'à ouvrir le coffre avec plein de petits cœurs. C'est Sangré, voici un don. Voici un petit don pour te faire plaisir car je kiffe tes vidéos. Oui, je pense qu'on vient de voir ce qui s'est passé. C'est vrai qu'en fait, il m'a tapé. C'est qu'en fait, tout simplement, il m'a tapé pour que tout simplement que je puisse tomber dans un trou. Du coup, je sais pas si c'était intentionné, donc ou un TP kill. Et en fait, le truc, c'est qu'il a fait une maladresse. C'est simplement qu'en fait, il m'a tapé. Il m'aurait pas tapé, je serais tombé tout seul dans le trou. Même pas, non, je crois que ça compte pour un TP kill, je crois. Et il a pas attendu 5 minutes. Non mais j'hallucine mec, non mais arrête, je suis pas du tout comme ça, je m'en fous en fait de ton stuff. Juste à essayer de me TP kill. J'ai toujours un Anglider sur moi donc pour ceux qui veulent me TP kill, tuez-moi à l'épée, ça sera beaucoup plus rapide. Puis essayer de me faire tomber dans un trou, ça sert totalement à rien. Ou encore il y aurait de la faille équateur en bas. Mais vu que le plugin tout simplement de comment dire de slash spawn et tout ça avec le commandant en combat et tout ça est désactivé, on peut slash spawn comme ça en fait. Bon bah du coup c'est parti, on va tout simplement aller sur TS, on va tout simplement les faire ban. Ok donc nous voilà sur TS. Donc en fait là il faudra tout simplement contacter un SM. Du coup là j'ai envoyé un message à French Kill pour savoir s'il pouvait me move parce que j'ai un raid pour TP kill. Bonsoir. Du coup j'ai un raid pour TP kill du coup. Ouais vas-y tu peux m'envoyer. Du coup s'il m'a tapé et que ensuite je suis tombé dans un trou et que j'ai slash spawn c'est pas compté comme un déco combat. Non non ouais. Non tu pouvais. Ouais. Alors
T'as qui que tu t'es TP? À Nazon. Et il avait un ami, du coup, je sais pas s'il va se faire ban aussi, il avait un pote à côté de lui. Ça va, t'es pas mort donc. Non, ouais, c'est vrai. Ok, j'ai pas cherché le stuff, ça me rassure. alors, ma tech. Ma tech 310. TP kill. Et le deuxième. Oh là, ils sont bons tous les deux. D'accord, bah merci en tout cas. Ouais. De rien. Bon bah bonne soirée à toi. Ouais, à toi aussi. Merci. Bon bah donc voilà, vous avez vu l'extrait, je me suis fait bien TP kill. Voilà, le mec, pendant que j'étais en train d'écrire un message, il m'a tout simplement tapé. Voilà, vous voyez mes cœurs qui en prend un coup et même de toute façon je bouge. Bon bah voilà, comme vous avez vu, je les ai fait ban. Donc voilà, c'est French Kill qui les a ban. Voilà, j'ai fait ban les deux parce que l'autre a été ban pour complicité, hein, bien sûr. Voilà, il a participé au TP kill. Du coup, les gars, évitez de TP kill des youtubeurs parce qu'en fait, on règle tout le temps, surtout si c'est pour un don en fait. Bon, du coup, voilà, c'était pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça serait extrêmement plaisir. Je vise les 20 000 abonnés pour avoir le grade youtubeur sur Paladion, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, tous les 200 likes, je vais faire pendant 15 minutes mon métier de farmer. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo parce que voilà, pour participer tout simplement aux commentaires du jour. Ou alors si vous avez pas de questions, n'hésitez pas à me dire un petit GG et tout ça, ça ferait extrêmement plaisir. Je lis, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager ces vidéos au maximum de personnes pour me faire connaître sur Paladium. Rejoignez mon Discord commentaire qui est en description parce que tout, quand on arrive aux 500 membres, je ferai gagner des blocs de Paladium à plusieurs personnes qui sont présentes sur le Discord. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter qui est en description, des fois je tweet des petits trucs sur ma vie, tout ça c'est assez cool. C'était tout pour moi, allez. Oh d'accord, j'ai fermé le jeu. C'était tout pour moi, allez. Ciao, bye les gens.